Salut à toutes et à tous, merci de me rejoindre comme chaque semaine pour un nouveau numéro de Riding Zone, la seule émission entièrement consacrée aux sports extrêmes et à la culture glisse. Aujourd'hui, je suis à Angers et je vous propose qu'on découvre un magnifique espace de loisirs indoor. La cage, c'est son nom, est le nouveau rendez-vous pour tous les amateurs de sensations. Surf, trampoline, parcours sportif, drift, toutes ces activités qu'on adore dans Riding Zone sont accessibles à tous, ici, été comme hiver, et je vous propose qu'on en fasse le tour du propriétaire. Voici le sommaire. Le G-Tramp, c'est la version freestyle du trampoline traditionnel, un phénomène né sur les trampolines de jardin et popularisé grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi est-ce devenu si tendance? Riding Zone a mené son enquête. Vous découvrirez également notre sélection des 5 meilleurs tricks de la semaine, ainsi que le nouveau défi complètement délirant qu'on a lancé à nos copains riders. Riding Zone, c'est parti, on décolle tout de suite avec le zapping. Bonjour à Angers et je viens d'entrer dans cet espace de loisirs indoor dont je vous parlais tout à l'heure. Stéphane, tu es le créateur de cet endroit que tu as choisi d'appeler la cage, oui. Alors que pourtant c'est un lieu de grande liberté. Eh oui, c'est l'endroit où on va pouvoir libérer le rider qui est toujours enfermé dans sa ville. Alors qu'est-ce que tu proposes ici à la cage? Alors, il y a plusieurs activités à la cage. Il y a du drift trick, c'est un tricycle électrique. Il y a du trampoline pour pouvoir s'exercer aux tricks avec un parcours Ninja Warrior. Et puis, il y a une vague de surf statique. D'où te vient cette idée, cette envie? Il y avait un besoin ici à Angers? Je pense qu'il y a un besoin partout en France. On est angevin, donc ça se posait être à Angers. En tout cas, l'envie, c'est un projet familial. L'équipe de Riding Zone est très heureuse d'être là et on te félicite pour cette initiative, toi et ta famille. Eh bien merci, je vous laisse découvrir le parc et puis surtout vous voir sur les activités. Merci beaucoup et puis on va aller se chauffer. Hein. Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture de ce parc indoor de 3500 m², l'occasion pour nous de vous présenter chaque activité. D'ailleurs, je me trouve sur la zone de trampoline, ce qui me permet de rebondir vers notre reportage de la semaine. Le G-Tramp, c'est la contraction de Garden Trampoline. Cette activité familiale est devenue en à peine 2 ans un véritable phénomène culturel, cela notamment grâce aux réseaux sociaux. Les communautés de G-Trumpers sont de plus en plus nombreuses, leur niveau est considérable, et grâce à eux, le trampoline a pris une nouvelle dimension, complètement freestyle. Pourquoi cette nouvelle discipline extrême plaît tant? Pourquoi est-elle si populaire? Riding Zone a enquêté. Né dans les arrières-cours et les jardins familiaux, popularisé grâce aux réseaux sociaux, le G-Trump ou trampoline de jardin est devenu en quelques temps un véritable phénomène de société. Enquête sur un sport freestyle d'un nouveau genre qui est en train de faire son trou. G-Trump, c'est la contraction de Garden Trampoline, soit en français, trampoline de jardin.
Depuis quelques années déjà, on en trouve dans tous les magasins de sport et on les voit fleurir dans les jardins du monde entier. À la base, un simple loisir que certains acharnés ont transformé en véritable sport. Lui apportant une dimension freestyle qui lui faisait défaut dans les clubs de trampoline. Car c'est la liberté même de faire ses propres figures et de les poster ensuite sur les réseaux sociaux qui a rendu cool et populaire cette nouvelle approche du trampoline. Les J-Trampeurs du monde entier se servent aussi d'Instagram pour communiquer entre eux. Ils se conseillent, se félicitent, s'entraident. Une communauté qui fédère chaque jour toujours plus d'adeptes. Salut, c'est Arthur Allard, je suis youtubeur trampoline. Ici, on est en région parisienne chez moi. Donc, venez visiter, je vais vous montrer. Arthur Allard, lui, a 18 ans et fait aussi partie de la communauté. Bon, alors voilà, là, on est dans le gros du jardin. Là, il y a mon meilleur trampoline, voilà, celui que je préfère. Dans son jardin, deux trampolines. Depuis notre tournage, il en a même acquis un troisième. Alors ce trampoline-là, bah, c'était un trampoline de jardin à la base, mais je l'ai customisé, j'ai mis des ressorts vraiment professionnels. Mais du coup, j'ai essayé d'améliorer le rebond de celui-là. Et ça a plutôt marché d'ailleurs. Arthur est un J-Tramper pas comme les autres. Son nom est même devenu une marque. Surtout depuis qu'il s'est lancé à fond dans la prod de vidéos pour YouTube. Si on est là le soir dans un trampoline park, c'est parce qu'on va essayer cette nuit de rester enfermé dans le trampoline park. Son setup ou son installation est pensé spécialement pour les vidéos, avec une tour de contrôle et un bac à mousse collé au tramp. Alors le bac à mousse, en fait, j'ai construit parce que je me suis inspiré de Darren Brodgaard, qui est vraiment mon inspiration numéro 1 pour me lancer sur YouTube. Et lui, il avait un bac à mousse dans sa maison, il avait fait une vidéo qui m'avait vraiment plu. Et moi, du coup, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça aussi. Et c'est comme ça que bah, le bac à mousse est arrivé chez moi. C'est chaud, j'ai failli me couper la jambe. Le J-Tramper le plus suivi au monde est l'américain Tanner Brodgaard, 18 ans. Et s'il cumule 4,5 millions d'abonnés sur YouTube et plus d'un million sur Insta, c'est parce qu'il parle à un très large public. Salut les gars, aujourd'hui on va faire trampoline versus beurre. Tanner n'est pas le plus doué, mais c'est le plus original. Il adore enduire son J-Tramp de tout un tas de choses bizarres, du beurre, des bonbons ou encore de la peinture. 2, 1, oh god. Arthur l'a d'ailleurs rencontré l'année dernière aux États-Unis. Les gars, voici Tanner Brodgaard. C'est ma plus grande inspiration. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais je crois qu'il a essayé de m'imiter. Bref, c'est ma plus grande inspiration pour faire YouTube, etc. In one nostril, out the other, I didn't hear anything of that. Avec un peu plus de 183 000 abonnés, Arthur est lui le J-Tramper français le plus suivi sur YouTube. Mon logo, vraiment, il est partout dans ma chambre. Il est ici, voilà, je l'ai mis ici, juste derrière. Donc j'essaie vraiment de rappeler tous les éléments de ma chaîne YouTube dans ma chambre. Je pense que ça se voit. Il faut dire que cet étudiant en école de commerce se donne les moyens de réussir. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment faire autre chose que juste faire des saltos sur trampoline. Je voulais toucher le grand public. Donc j'ai vraiment fait des sujets variés autour du trampoline. Et je pense que c'est ça qui a marché mieux que les autres. Il ne s'arrête pas à la production de vidéos, puisqu'il a également créé un site et une marque de vêtements. En fait, la devise de ma marque, c'est Limitless. Donc ça veut dire sans limite en français. Et j'ai l'habitude de le marquer dans plusieurs langues différentes sur la plupart de mes vêtements. Et donc là, on l'a en coréen, et donc c'est le modèle coréen. Et derrière, on va retrouver mon logo. Avec... un business qui marche plutôt bien, puisqu'il touche chaque mois un petit salaire. Le nombre de commandes par mois, il est vraiment variable en fonction du nombre de vues que je fais sur mes vidéos. Par exemple, quand j'ai vraiment bien marché avec la vidéo Reste enfermé dans le trampoline park, j'ai eu énormément de commandes ce mois-ci. C'est-à-dire, on tournait à 5 commandes par jour. Mais quand je produis moins, c'est sûr qu'on a moins de commandes. Avec toutes ses activités, il a moins le temps de faire du trampoline pour le plus grand bonheur de certains de ses voisins. Tous ceux qui sont là, on va dire qu'ils sont pas trop dérangés, mais ceux qui sont vraiment juste ici, quand j'ai eu le trampoline bleu, c'est vrai qu'ils ont pas trop apprécié parce qu'on saute tellement haut en fait qu'on va au-dessus des portails. Du coup, il y a la haie qui est juste là et c'est la haie qui fait que pour plus nous voir en fait. Pour ne pas embêter le voisinage, le mieux est d'aller à un meet-up. Le dernier en date a eu lieu au Fouline Park de Marseille. Un meet-up, c'est le rassemblement de toutes les disciplines du trampoline dans un trampoparc. En fait, c'est un rassemblement qui essaie de réunir toutes les communautés du flipping, que ce soit les freerunners, les J-Trampers pour la communauté du freestyle, les trampolinistes. On essaie de faire un rassemblement avec toutes ces communautés pour pouvoir tous se rassembler et pouvoir profiter tous ensemble, envoyer des gros tricks.
Voilà. Si Maxime est de la région, Eli, lui, vient d'Angoulême. Ils font tous les deux partie des meilleurs jet trampeurs français. Mais dans un trampoparc, il leur faut s'adapter. Les trampos, ils rebondissent trop, là. C'est pas le même rebond, c'est pas la même hauteur, c'est pas le même ressenti, enfin, c'est différent. Mais après, c'est les mêmes figures. Et quand on ne saute pas, il faut assurer la sécurité des autres. Là, c'est pour éviter de se faire trop mal. Le matelas, ça amortit un peu la chute. Ça évite de si on retombe sur la tête ou si on retombe mal, tout simplement. On peut mieux se réceptionner sans se faire trop mal. Vas-y, c'est bon. Tu fais quoi, flip ? Car le trampoline peut devenir un jeu dangereux. Chez les enfants, le nombre d'accidents a même explosé en 10 ans. Les fractures représentent un quart des blessures. Oh putain ! Ça va. C'est une belle... Ouais, une belle chute. Il faut dire que la surenchère de tricks est perpétuelle. Les jet trampeurs tentent des choses toujours plus folles qui peuvent, dans de rares cas, très mal se terminer. C'est ce qui est arrivé à l'Américain Joshua Sopworth. Il faisait partie des meilleurs et des plus suivis sur Instagram. Il s'entraînait chez lui avec ses frères quand le drame est arrivé. Joshua est resté paralysé. Sa vie et celle de sa famille ont été bouleversées. Tous ici au meet-up connaissent l'histoire de Joshua. Par conséquent, ils font bien attention à leur sécurité. Surtout que Maxime est motivé pour faire une première mondiale. Triple full-in, double back. Trois vrilles dans le premier salto et un double back après la première vrille. Enfin, les premières trois vrilles du coup. Je l'avais déjà fait, mais pas. Là, j'essaye de retomber debout. Donc voilà, et si je retombe debout, c'est un world first. Je suis parti sur le côté alors que j'allais partir en back. Mais bon, c'est pas grave, au moins on voit que c'est possible. J'étais quasiment debout, on voit que c'est possible. Je vais réessayer et je pense que ça va passer. Un des animateurs du lieu, professionnel de la discipline, va alors lui donner quelques conseils techniques. Trois fois je te vois faire, trois fois où tu fais la même chose, et peut-être tu finis. Je vais vraiment pousser, non, alors. En fait, il faut que tu gagnes en abdos, tu ramènes ici et tu te redresses. C'est bon, ça, tu fasses bloc. C'est bon. Mais cherche à ramener tes jambes. Va chercher le contact avec le sol. Nous sommes à Belpe, en plein cœur de la Suisse. C'est dans ce trampoparc, l'un des meilleurs au monde, qu'une compétition de trampoline freestyle est organisée. L'organisateur s'appelle Greg Rowe et ici, tout le monde le connaît. Si l'on voit que vous faites n'importe quoi et que vous allez vous tuer, alors on va vous dire de ne pas le faire. On a eu l'idée de faire du trampoline freestyle quand on a participé au Nitro Circus en Australie il y a quelques années. On a remarqué que la foule était à fond à chaque grosse figure réalisée, ils étaient dingues de ça. Ensuite, on est allé au championnat national australien de trampoline qui avait lieu au même moment et c'était deux mondes complètement différents. Tout le monde était assis, c'était très calme, tout était sous contrôle et on s'est dit, mais les gens ne veulent pas de ça. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose d'excitant. Ils veulent quelque chose où ils peuvent s'impliquer. Ça a tilté dans nos têtes et on s'est dit que le trampoline pouvait être excitant. Greg Rowe a fait partie de l'équipe nationale canadienne de trampoline. Après des années de compétition, il est passé à une approche freestyle de son sport. Bonjour, je m'appelle Greg Rowe. Mon talent est de sauter dans les airbags. Il est devenu la référence en saut d'airbag, comme ici, durant la version américaine d'Incroyable Talent. Depuis deux ans, il organise des compétitions de jet trampe et de trampoline freestyle à travers le monde.
Julien, Sam, Tom et Nils, les gars, levez-vous. Julien vient de France, bonne chance à lui, c'est le premier à passer. Julien Sio a 20 ans, il vient de Béziers et c'est le seul représentant français du concours. C'est une bonne ouverture du show, c'est bien passé, je suis content. Tous les participants ont été sélectionnés sur vidéo. Greg Rowe a choisi les meilleurs. Ils viennent de toute l'Europe, principalement de Suisse donc, mais aussi de Hollande et de Scandinavie, des pays où le J-Tramp est très populaire. Franchement, il y a un très bon niveau dans notre pool de 4 là. Mais bon, je pense avoir bien fait le taf. Chaque concurrent a droit à deux passages. On doit faire tous deux combos, donc il faut avoir un bon répertoire de tricks parce qu'ils ne veulent pas que tu repasses les mêmes choses, donc il faut vraiment être bon partout. Pour la notation, trois juges qui sont d'anciens professionnels. Moi, je juge la difficulté. Lui, il juge la créativité et lui, l'exécution. On a chacun notre catégorie parce qu'autrement, ça serait trop compliqué. Ça va trop vite. Alors, ceux qui passent le premier tour, Neil, tiens, mets-toi ici, merci à toi, et notre Français, Julien, bravo les gars. Julien passera les tours les uns après les autres et arrivera dans le dernier carré avec Robin A, le favori. Julien, bien joué, t'as été bon. Et Robin vient rejoindre Julien en demi-finale. Robin A, qui est un trampoliniste de haut niveau, qui cumule environ 25 000 abonnés sur Instagram. C'est pas beaucoup pour son niveau, mais il a un des plus gros niveaux en trampoline et c'est pas mal d'évoluer avec eux parce que tu les vois tout le temps sur ton téléphone et au final d'évoluer avec eux, tu vois que les mecs ils se prennent pas la tête et tu peux échanger et ils te donnent des tips pour pouvoir avancer encore plus vite. Finalement, Julien finira troisième ex aequo et pour son dernier passage, pas de pression. Il va s'amuser car il est déjà qualifié pour la finale européenne qui aura lieu aux Pays-Bas en mai prochain. Robin A, lui, confortera son statut de favori en remportant la compétition. Première place pour notre champion qui vient de Suisse, Robin A. Si le J-Tramp s'exporte en dehors des jardins, c'est parce qu'il est en train de devenir un vrai sport freestyle avec ses propres règles qui trouvent un parfait écho sur les réseaux sociaux. Tout semble réuni pour que ce phénomène n'en finisse plus de rebondir. Salut Jules. Salut Tigna. Je vous présente Jules, il est angevin, c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'Angers. Il fait partie de l'équipe de France de Wake. Et en 2017, tu as été vice-champion du monde dans la catégorie amateur junior. C'est ça. Félicitations. Merci. Est-ce que tu t'entraînes ici? Ouais, je m'entraîne ici tout l'hiver. Donc je m'entraîne le plus à la vague. Je m'entraîne au trampo aussi pour faire mes figures. Et sur le parcours ninja pour essayer de garder la force. Parle-moi un petit peu de cette vague artificielle. Est-ce qu'on peut retrouver les sensations qu'on a en surf dans l'océan? Alors, on retrouve un peu les sensations de surf quand on est sur le haut de la vague. Après, ça se rapproche plus du wake skate ou du skimboard. D'accord. Et donc, pour toi, c'est idéal pour t'entraîner? Ouais, c'est parfait, ouais. Quelle est ton ambition? Mon ambition cette année, c'est de faire le plus de compétitions possible et pourquoi pas aller au championnat du monde en fin d'année. Eh bien, on va te suivre. Merci Jules, yes. Bon ride à toi. Merci. Allez, tout de suite dans Riding Zone, place à notre sélection des 5 meilleurs tricks de la semaine. On commence le classement des 5 meilleurs tricks de la semaine avec Leonardo, l'un des représentants de la nouvelle scène du parcours en France. Membre de la Monkey Family, le traceur de 20 ans se montre très agile à l'image de ce double saut de chat. On poursuit avec de la trotte et un trick super technique signé Robbie Weir. Observez bien, le jeune Australien originaire de Brisbane nous envoie un front flip, il clicker late whip et nous prouve qu'il est à suivre de très très près. À la troisième place, on retrouve le grand vainqueur du Crankworx Rotorua en Nouvelle-Zélande, l'une des étapes phares du championnat du monde de VTT Slopestyle. Brett Reader a sorti un run parfait et on retiendra parmi ce florilège de tricks
ce Cork 720 Opposite. On reste en Nouvelle-Zélande pour la deuxième place et on rejoint Ryan Williams sur les méga rampes du Nitro Circus. Le rider aux multiples World First continue de repousser ses limites avec un tout nouveau combo inspiré du motocross freestyle, un front flip Superman Seat Grab Bar Spin. Une fois n'est pas coutume, on retrouve du snowbike à la première place. En janvier dernier, pendant les X Games, le Canadien Kyle DeMello avait tenté sans succès de plaquer un front flip. Il a décidé de retenter le coup, chez lui cette fois, et après plusieurs essais, Kyle DeMello passe le tout premier front flip de l'histoire en snowbike. L'équipe de Riding Zone contacte des professionnels et des amateurs de sport de glisse pour leur proposer des défis complètement délirants. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'à chaque fois, il y a des riders qui acceptent de jouer le jeu. Voici ce que ça donne aujourd'hui. Direction Seignos dans les Landes, plus précisément à l'espace aquatique de 600 mètres carrés du Bellambra Club des Tuckets. Notre nouveau défi de la semaine, traverser cette piscine en skimboard. Depuis quelques années, bon nombre d'amateurs et de professionnels ont relevé ce challenge. C'est d'ailleurs le skimboarder professionnel Austin Keane qui aurait réalisé la plus longue distance. Alors on a décidé de glisser encore plus loin et pour cela, on a fait appel à deux skimboarders français, tous deux anciens champions de France, Florent Mouronval et Tristan Lamy. Niveau distance, il y a de quoi faire. En effet, le grand bassin fait 25 mètres et le petit 15 mètres. On se rince les pieds avant d'entrer. Et ce qui est bien, c'est que t'as la plage qui est direct ici. J'avais peur qu'il y ait une grosse marche quand même. Bon, on va mettre la combi. Ah, c'est un bel endroit, hein. Indispensable, si tu veux expirer et replaquer. Pour s'échauffer, nos deux amis s'élancent dans le grand bassin. Tu veux pas trécher, donc tu veux poser suffisamment devant. Et ça, on n'est pas habitué. En fait, en skim, tu lances toujours sur un tout petit filet d'eau. Et un filet d'eau, soit c'est sur le sable mouillé, soit c'est un filet d'eau qui remonte. Donc t'as facilement de l'importance. Là, t'as de l'eau qui stagne et t'as 1m30. Ne cherche pas des excuses, hein. Malgré ses difficultés, Florent commence à bien gérer la glisse. Regarde combien tu fais de distance. Et après, j'essaye de t'éclater. Tristan et Florent semblent capables d'atteindre les 15 mètres. On va changer de plage. Soit la longueur du petit bassin. Alors, ils vont essayer de le traverser de bout en bout. Il ne manquait pas grand-chose. Plus tu veux aller loin, tu as deux techniques. Soit tu ponds, soit tu mets ta planche en travers pour avoir un maximum de portance. Pas si simple. Le défi de Riding Zone est plutôt dur à relever finalement. Après d'innombrables essais, Tristan parvient tant bien que mal à toucher l'autre bout du bassin. On va arrêter de persister, je pense que... On n'a pas réussi le challenge proposé par Riding Zone. La piscine était longue, très longue. Effectivement, même s'ils se sont bien battus, le défi n'est pas totalement validé. Mais promis, ce n'est que partie remise. Voilà,
Riding Zone se termine sur une petite session de trike drift. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Pour revoir cette super émission, rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux et on s'applique chaque semaine à vous faire découvrir l'actualité de la glisse en continu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon ride à tous. Moi, je vais...